J'ai le plaisir de vous présenter Daniela Gadi, qui habite à Barcelone, spécialisée dans le domaine de la médiation, qui travaille en médiation plus sociale. Nous avons Ivo Hertzen, qui est une sommité en matière de justice réparatrice, qui est professeur à l'Université catholique de Leuven. J'ai bien dit, Leuven, et qui travaille beaucoup aussi dans le domaine de la victimologie. Et nous avons le plaisir aussi de connaître et de rencontrer, d'accueillir Louise Otis, que bien du monde connaisse, parce que c'est une des grandes pionnières de la médiation judiciaire, qui a été juge pendant de nombreuses années. Donc voilà, merci. Alors, Madame Otis. Est-ce que vous m'entendez bien? Ça va? Ah, d'abord, je veux souhaiter la bienvenue à tout le monde à ce Forum mondial. C'est quand même tout un événement extraordinaire et saluer surtout les organisateurs et organisatrices qui ont fait un travail colossal pour le mettre en œuvre. Je n'ose même pas imaginer les heures et les jours que vous avez passés pour faire ceci. Maintenant, en me présentant moi-même, je réalisais que je viens, moi, d'une autre époque que la jeunesse que je vois dans cette salle. Je viens d'une époque où la densité et la complexité du droit, parce que je vais parler du droit parce que je suis une juriste, puis j'ai passé l'essentiel de ma vie dans le monde du droit formel, je viens d'une époque où la densité ou la complexité du droit était relativement bien définie. Le droit était bien circonscrit et la plupart du temps confiné dans les frontières nationales. C'est ce que j'ai appris et c'est là d'où je viens. La loi était définie et sanctionnée par le législateur. Elle était interprétée contextuellement et de manière évolutive par les tribunaux. C'était une époque, ma foi, assez rassurante, car on pouvait à distance reconnaître les limites du droit, du territoire du droit. Après plusieurs décennies, maintenant j'enseigne à McGill comme professeur adjoint, après plusieurs décennies, je me retrouve devant, et j'ai identifié ça l'an dernier quand j'ai fait le speech pour terminer l'année à McGill, je leur ai dit, je me retrouve devant un bing-bang juridique, c'est vraiment ce que je sens. L'univers du droit a littéralement explosé depuis 20 ans. C'est littéralement en expansion et ça se fragmente constamment. Les frontières du droit, les cultures juridiques en arrivent à se confondre et à se heurter constamment selon les champs de l'activité humaine. Je vois en ce moment une société de droit avec de moins en moins de frontières, une société de droit qui évolue autour des pactes, des traités, des conventions en droit commercial, administratif, environnemental, et ça au niveau de ce qu'on appelle les régions ou les ensembles géopolitiques du globe. On a une Cour internationale pénale. J'entends dans mes autres vies, j'en ai un peu partout, qu'on va peut-être rêver à une cour fiscale internationale, it's about the time, hein, pour essayer d'arrêter l'évasion fiscale. Et on va parler, bien sûr, et on doit le faire, et ça presse d'une cour internationale environnementale, parce que s'il y a un défi actuellement que nous avons, il est là. Et vous savez, le droit, ça sert à quoi? Ça sert à rendre justice, on espère. Et la justice, elle reste bancale et imparfaite, comme nous tous. Puis elle tente de s'incarner dans la réalité humaine, mais elle demeure quand même l'une des quêtes et l'un des mythes les plus puissants de l'humanité. À certains égards, cette situation du bing-bang juridique, ça déstabilise, parce que juridiquement, le sol bouge sous nos pieds. On ne sait jamais vraiment à quelles normes se référer. Mais en même temps, je vais vous dire une chose, et je le dis surtout aux jeunes, c'est absolument fascinant. Parce que l'incertitude et l'insécurité dans nos vies et dans nos professions, c'est ce qui nous fait bouger. Souvent, ça nous réveille alors qu'on était sur le point de s'endormir intellectuellement. Ça nous oblige à la créativité. Et je crois qu'on est rendu là maintenant. Les temps sont, dit-on, dangereux. Il est temps maintenant de se remettre sur le bout des pieds pour regarder. Le monde tel qu'il se présente à nous, il a drôlement changé. À l'instar de bien des professeurs et bien des praticiens, j'ai participé modestement à l'expansion dans le bing-bang, mais sans m'en apercevoir, d'aucune manière. Et c'est maintenant, après 20 ans, que je le réalise. On est dans le Forum mondial de médiation, alors parlons de médiation. Depuis 20 ans, la médiation, vous la connaissez au sens classique, a rejoint à peu près tous les aspects de la vie en société, à peu près partout.
Elle est devenue le dialogue utile et nécessaire pour la résolution des divergences de toute nature, autant dans l'univers local, national qu'international, quoi qu'on souhaiterait qu'au niveau international, ça prenne un peu plus de force. Au Canada, il y a 20 ans, la médiation a fait une percée remarquable dans les institutions judiciaires par l'instauration de la médiation judiciaire. Il va falloir que Marie-Claire me pardonne. Je ne peux pas dire conciliation, mais j'y arrive pas. Il va falloir qu'on dise médiation. Où est-ce qu'elle est? Est-ce qu'elle est là? Et Harry. OK. Alors, la médiation présidée par des juges actifs au sein des cours et des tribunaux, et ça fait un méchant bout de temps, ça fait en 1997. J'ai pas réalisé qu'on était rendu à 20 ans déjà. On a commencé par un petit projet pilote de 18 mois dans la plus haute cour, la Cour d'appel du Québec, puis suite au terme du projet, la médiation a été intégrée dans nos règles de pratique, puis ensuite, en 2002, le législateur l'a intégrée dans le Code de procédure civile et la victoire était accomplie. Alors, toutes les cours, tous les tribunaux au Québec ont intégré à leur manière un modèle de médiation judiciaire. Et au Canada, 8 provinces et 3 territoires ont adopté des formes de médiation judiciaire. Le Canada est certainement l'ensemble juridictionnel le plus avancé en médiation judiciaire. Le modèle québécois est important parce que, contrairement aux expériences de projets pilotes ou aux autres initiatives qui ont été intégrées, notre modèle intégrait la justice judiciaire et médiationnelle dans tous les aspects et à l'intérieur de la Cour. On a constitué donc ce que j'ai toujours appelé un système hybride intégré de justice qui n'a plus seulement le modèle du procès, mais qui a le modèle de médiation et qui vit harmonieusement côte à côte. Ça fait presque 20 ans, ce modèle-là survit, vit encore et m'a dépassé de très loin parce que maintenant, moi, j'avais conçu à l'époque, en 1999, j'étais partie aux États-Unis à Pepperdine University, personne ne me connaissait là-bas, on m'avait permis d'aller là, j'avais eu un mois, j'étais partie avec mes boîtes de jugement pour me faire former. Et j'avais dit, je viens ici parce que je veux établir un training program pour mes juges au Canada. Et on m'avait dit, êtes-vous folle? Des juges qui font de la médiation à une cour d'appel, mais ça n'a pas de bon sens. Mais mon mentor, Randolph Laurie, me dit, si c'est ça que tu veux, on va y aller. Alors, on a développé ensemble le premier projet pilote de formation des juges qui a été donné en 99, en 2000, en 2001. Et ensuite, le Conseil canadien et l'Institut national de la magistrature ont pris le relais et on me dit maintenant que les programmes de formation sont phénoménaux, ils sont jusqu'à 5 niveaux et que les juges sont devenus des experts médiateurs. Je n'y participe plus depuis que j'ai quitté la Cour d'appel en 2009. Mais j'y vais à l'occasion leur parler, mais je ne participe plus au programme de formation. Si on fait un regard rapide sur ce qu'a été la médiation judiciaire, je dirais que, en regardant au loin, au fil des décennies, nos institutions étatiques de justice sont devenues le principal lieu d'expression et de résolution des conflits. Pourquoi? Et j'utilise le mot à dessein. Parce que il y a chez nous un impérialisme sous-jacent du droit qui colonise tous les champs de l'activité humaine. Et c'est heureux. Et ceci est dû, bien sûr, au déclin des ordres normatifs parallèles qui jouaient un grand rôle autrefois, comme la religion. En ayant disparu, ces ordres ont cédé le pas à des ordres séculiers. Et je dirais que la légitimation par la norme est devenue vraiment le pôle central. Et c'est très, très heureux qu'il le soit. Toutefois, les institutions étatiques portent qui sont fondées sur le procès, portent leurs propres limites et leurs propres lacunes. Et celles-là, vous les connaissez tous, les coûts exorbitants de la justice. Vous connaissez la lenteur de la justice, qu'on le veuille ou non, ça prend du temps. Vous connaissez également le fait que certaines causes sont tellement mieux réglées lorsqu'on peut négocier que lorsqu'on a un jugement imposé, parce que le juge est lié, qu'on le veuille ou non, par le contrat judiciaire des parties, et son pouvoir d'être créatif est fort limité. Mais toutefois, je le dis, le procès demeure la voie royale de la justice, parce qu'il y a un code de procédure uniforme, parce que les magistrats sont indépendants, parce qu'on obtient au terme d'un jugement motivé qui peut être susceptible d'être porté en appel, et c'est un système qui est parfait, mais qui a été complémenté par la médiation, il était grand temps qu'on puisse l'avoir. Maintenant, les gens me demandent tout le temps, surtout à l'étranger, surtout à l'extérieur du Canada, pourquoi des juges? Pourquoi des juges et médiateurs feraient très bien l'affaire? Faites comme en Ontario, vous avez un roasting list, puis le juge peut ordonner la médiation, puis ce sont des médiateurs privés. Et du début, j'ai voulu que ce soit des juges, et je pense que c'est fondamental, parce qu'en même temps que le bing-bang dont je vous parle, le rôle des juges aussi a changé. Il fallait qu'il change.
Alors, les juges sur un podium avec leur robe rendent des jugements, ils sont impartiaux et indépendants, mais après un certain nombre d'années, je crois que nous nous détachons, et c'est forcément lorsqu'on s'éloigne, de la connexion avec les gens. La médiation va créer, reconnecter la magistrature avec la population en se mettant à son niveau et avec les justiciables et en rétablissant, en les aidant à rétablir un discours. Et les juges portent en eux, lorsqu'ils sont dans une salle de médiation, une autorité morale extraordinaire. Les juges ont une autorité morale, enfin. En Amérique, c'est pas tous les systèmes, mais les systèmes qui ont une magistrature indépendante et impartiale, les juges ont de l'autorité morale et ils l'amènent dans la salle sans pour autant infléchir les consentements ou sans tordre les bras du tout. Ils sont très bien formés à ne pas le faire. Mais ils apportent une grande connaissance du droit et une expérience colossale en matière de différents humains. Ce sont des vertus qui sont extrêmement grandes lorsque tout a échoué. Parce que n'oubliez pas que quand on a saisine d'un litige, il y a eu de la médiation avant qui n'a pas fonctionné. Alors, les juges interviennent au moment où le litige est pendant devant les tribunaux et non avant. Alors, c'est, je dirais que les deux systèmes de médiation judiciaire et extrajudiciaire s'arriment ensemble et se complémentent pour donner un système qui est quand même très bien et très complet. Pour le justiciable, je rêvais à l'époque, je ne sais pas ce que si les gens qui ont fait des études vont me dire si ça a changé. Mon rêve, c'était pas de faire du case de management. Moi, j'ai convaincu les gens que ça allait nous aider pour la gestion des dossiers, mais c'est pas ça. Il fallait re-responsabiliser la personne humaine face à ses conflits. La personne humaine était devenue un peu puérile. On a un conflit, on donne la saisine aux tribunaux, monsieur et madame juge vont régler ça pour nous. Je voulais qu'on ramène le dialogue entre les belligérants dans une salle, avec l'aide d'un tiers neutre ou d'une tiers neutre qui les aide, mais qu'on re-responsabilise les citoyens face au règlement de leurs conflits. Parce que j'ai toujours dit que c'est un acte freudien, la médiation. Hein, vous saisissez la cour d'un litige, elle le prend, elle le reçoit. Et dans la médiation, de manière freudienne, on leur redonne et on assiste. On est présent, on est assis et on assiste et on regarde les parties engagées, un dialogue utile. On préserve l'ordre public, on les assiste seulement et les parties vont donc écrire leur propre jugement. C'est un acte d'évolution la société qui est remarquable. On revient au vieux principe de responsabilité kantienne. Et je crois que ça, les gens qui m'écrivaient après les médiations à l'époque, ils me disaient, votre petite méthode de 2-3 heures, là, je l'ai appliquée à mon travail, je l'ai appliquée à l'école, je l'ai appliquée avec mes voisins, et ça marche. Alors, c'était une manière un peu pédagogique aussi de ramener les citoyens au principe de base, vous êtes responsable de vos conflits. Maintenant, ne pensez pas que ça a été une partie de fun et que tout ça, ça a été fait avec grand accord. Pendant les premières années de la médiation judiciaire, j'ai vécu l'ostracisme, hein, parce que les juges n'aimaient pas la médiation judiciaire en général, estimaient que ça enlevait le prestige à la cour et que c'était une justice holistique, déconnectée de la vraie justice formelle, et c'était normal. Et c'est grâce aux critiques de mes collègues juges que j'ai pu améliorer le système, parce que si personne n'avait rien dit, on aurait eu forcément, on aurait pris de mauvaises tangentes. Comme par exemple, c'est à cause de ces critiques qu'on a formé nos juges à ne pas exprimer d'opinion sur le litige. Alors, lorsque les juges entendent une médiation, à moins que ce soit extrêmement rare ou qu'il y a une demande de toutes les parties, le juge ou la juge n'exprimera pas d'opinion quant au bien fondé du litige. Alors, on se tient donc à côté et on protège l'institution. C'est grâce à ces critiques que le système a pu devenir plus sophistiqué. Et je dis toujours en riant, maintenant je peux bien vous le dire, que j'ai fait toutes les conférences qui ont pu être données, l'appui des juges en chef pour la médiation judiciaire, ne m'a pas amené 2 ou 3 ans après la médiation, de grands éloges. J'ai réussi à avoir le regard de tout le monde un jour, alors que je faisais une médiation dans mon garde-robe, parce que quand j'ai commencé, on m'a donné un garde-robe de 8x10 que j'ai peinturé en rose, et on a dessiné avec le ministère de la Justice une belle table ovale, et j'installais tout le monde là, dans notre garde-robe. Et vous savez qu'à la cour d'appel, on prend le thé à 11h, c'est sacré. Et chaque 11h, on prend le thé. Et alors un jour, je m'en vais au thé de 11h et j'arrive avec une balle de baseball.
Alors, j'ai dit, ben, ce matin, j'ai fait une médiation avec Vladimir Guerrero, et le numéro 2 de la Ligue majeure de baseball, qui est venu d'Houston avec son jet. Il y a un litige civil à Montréal, alors on a réglé. J'ai eu plus d'admiration de mes collègues, de la présence de Guerrero, que les 70 médiations que j'avais réglées dans l'année précédente, qui ne m'avaient valu aucun remerciement. Mais celle-là, les gens m'ont regardé en disant, « Sais-tu peut-être que c'est bon, ce système-là? » Alors, souvent, les clins d'œil nous viennent de l'extérieur. Maintenant, après 2002, quand ça a été fait, j'ai cheminé, et là, pour la médiation institutionnelle, on m'a dit « médiation nationale judiciaire, c'est vraiment institutionnel », mais j'ai découvert autre chose. J'ai découvert que ce que nous avions dans les institutions pouvait se projeter dans d'autres institutions, mais internationales. En 2006-2007, Kofi Annan me demande de joindre un groupe de 5 experts pour reviser la justice interne des Nations Unies. Je vais donc joindre ce groupe comme spécialiste des matières non contentieuses et nous devions reviser et améliorer la procédure. Et après 2 ou 3 mois d'interviews, nous nous sommes réunis. Ma grande collègue était Mary Gaudron, qui est la première femme qui a été nommée à la Cour suprême d'Australie. Et je me souviens qu'on avait très peu la chance de se parler. On faisait des interviews à la journée longue. Et on était l'une à côté de l'autre. On prenait un verre de vin blanc. Puis elle me dit, What do you think about the system? Well, it's not very good. Let's scrap it. Et alors, on est retourné voir le secrétaire général en disant, on le retire au complet. Nous allons vous en créer un. Et on en a créé un, on a créé les tribunaux de l'ONU, UNDT, UNAT, tribunal de première instance, tribunal d'appel. On a créé le système de justice. Et évidemment, on s'entendait très bien. Elle avait été une avocate spécialisée en relations de travail. Vous savez que tout le monde qui fait des relations de travail fait de la négo et de la médiation. Si tu n'es pas capable de faire ça, tu vas arrêter vite de pratiquer. Et donc, nous avons installé la division de médiation de l'ONU. C'était la première fois. Il y avait un ombudsman, une ombudsman à l'époque, qui faisait un petit peu de médiation, mais qui faisait surtout son travail de watchdog, l'organisation, de sa mission de contrôle et de surveillance. Et là, on a créé la division de médiation de l'ONU, et qui s'est très bien, on l'a mis dans les 60 % des travailleurs de l'ONU sont dans les, on dit in the field, sont à l'extérieur des quartiers généraux, donc en Afrique, un peu partout, on a installé des médiateurs pour régler les conflits avant que ça ne devienne trop difficile. Et après que cette médiation-là est installée, ben là, on m'a demandé à la Banque mondiale, au Fonds monétaire, de faire la même chose. Ils avaient déjà des petites divisions de médiation, les a sophistiquées. Ce qui fait que maintenant, ce que nous vivons ici, nous, ils le connaissent au sein de leurs institutions là-bas. Et c'est pas détaché du monde judiciaire parce que c'est la justice administrative interne des tribunaux, donc c'est annexe à leurs tribunaux et ça permet de régler des litiges. Est-ce que c'est aussi bien que ce que nous avons ici? Non. Je lisais le dernier rapport qui vient d'être rendu à propos du système des Nations Unies l'an dernier. Il faudrait qu'on comprenne que ça prend des médiateurs professionnels. Il faudrait qu'on accepte, et on n'est pas encore rendu là, que les médiateurs, ce sont des grands professionnels. Les médiateurs font de la médiation. C'est pas... Il y a tout un aspect qui fait qu'on ne s'improvise pas médiateur. Et le taux de règlement serait bien supérieur si, lorsqu'on fait du poste, lorsqu'on demande des postes dans les organisations internationales, on demandait des médiateurs qui ont déjà fait de la médiation nationale. Alors, c'est la quête que je poursuis actuellement. Alors, si ça vous intéresse, allez voir leur demande. Il y a des médiateurs à peu près partout dans toutes les organisations internationales maintenant. La dernière que j'ai faite était le Fonds mondial, le Global Fund à Genève, qui n'avait aucun médiateur et on a installé maintenant un système de médiation qui est un système de médiation par référence aux médiateurs privés, mais qui est un système de médiation pré-litige. Pour terminer, il y a une jonction qui se fait. Hein? Mon ami Andrea Morrison qui doit être là, il y a cette espèce d'interculturalité qui intervient. Et la surprise de ma vie, je l'ai eue voici 2 ans, quand à McGill, les Nations Unies sont venues lancer le guide des ressources naturelles, hein? Le grand guide de la médiation pour les conflits en matière de ressources naturelles et de changements environnementaux. Ça a été fait par les Nations Unies. C'est une beauté. Pour être honnête, ça pourrait être un best-seller tellement c'est bien fait.
Et c'est un ami à nous ici, Michael Brown, qui avait participé à ça. C'est phénoménal. Et on m'a dit, Louise, est-ce que tu pourrais venir nous parler de ça? Alors, j'ai lu le livre, j'ai lu le guide au complet, et la surprise, je leur ai communiqué lorsque j'ai fait ma présentation. Je leur ai dit, il y a dans la médiation une parenté remarquable. Je veux que vous sachiez ça, la médiation, que ce soit un médiateur de chez eux, de chez vous, je pense qu'on a un tronc commun, un dénominateur commun, un cœur commun. Pratiquement 60-75% de nos habiletés sont communes, quel que soit le pays où je vais. Ou s'ils viennent chez moi, ils vont agir à peu près à 75% comme moi. On a développé cette espèce de corpus qui est identique. Alors, j'ai pris le guide et je leur ai raconté que voici 2 ans, j'ai eu un très gros mandat des gouvernements relativement à la médiation de la cimenterie, je peux dire le nom parce qu'on m'a autorisé, la cimenterie mécaniste à part Daniel, et qui allait générer 20 millions de tonnes de CO2 par année. Tous les groupes environnementaux étaient sur le pied de guerre, il y avait eu des poursuites judiciaires, et ils ont décidé à un moment donné de faire l'arrêt et de dire on essaye la médiation, et tout le monde était d'accord. Et quand je regarde comment ils ont opéré et comment j'ai opéré la médiation qui a duré 6 jours, je leur ai dit, vous ne le croirez pas, et je vous le dis, puis j'en frémis, j'ai exactement suivi les 6 étapes sans le savoir. Dans la médiation environnementale de pointe, la grosse médiation, celle-là, il faut d'abord que les parties concluent un protocole pour venir en médiation, sans médiateur. Parce que s'ils ne sont pas capables au moins s'entendre sur les règles qui vont guider la médiation, ça ne donne rien de s'asseoir. Ils l'ont fait. Pendant 3-4 jours, seuls les représentants de mécanismes, les représentants des groupes environnementaux et des parties concernées et des citoyens se sont assis et ont négocié un protocole de 5 pages. Ils ont défini le champ de la médiation, quels seraient les objets de la médiation, le nom du médiateur, l'endroit où ça se tiendrait, ils ont donné les règles de base. Ils sont venus me voir avec leur protocole. Quand j'ai eu le protocole, j'ai dit « c'est immense ». Je ne peux pas procéder là-dedans si je ne fais pas une prémédiation. Pendant des jours, j'ai tenu des prémédiations en caucus privé avec chacune des parties, les groupes et la cimenterie, pour voir où on s'en allait et si j'étais capable de dégager des aires communes. Quand j'ai établi la manière dont la médiation fonctionnerait, je n'avais pas lu le guide, mais quand on a commencé la médiation, je leur ai dit « ce que je veux ici, pendant une journée ou deux, je veux des scientifiques, je veux des géologues, je veux les gens qui sont capables de me parler des émissions de CO2. Je veux les gens qui sont capables de me parler des dangers, par exemple, pour les mammifères marins, tout ça, parce qu'il y en avait. Et je veux qu'on partage la même information. Alors, autant les groupes environnementaux que la cimenterie ont fait venir des grands experts qui nous ont instruits, tout le monde ensemble, et nous avons eu droit à une chose qui est importante en médiation. Les parties opposées ont eu droit à la même information. On peut poser des questions. Et finalement, on a écrit la page. Hein? Les terreurs qui étaient là, où se sont confirmées, où se sont dissipées. Les questions auxquelles il n'y avait pas de réponse se sont dissipées. Les groupes n'avaient pas accès à cette entreprise, ne pouvaient pas entrer dans l'entreprise. On leur a, par les experts, fait pénétrer par les portes de l'entreprise. Ils ont eu accès aux études qui avaient été faites. Après 2 jours, on s'est séparés, on s'est mis en caucus et on a commencé à négocier. Et là, arrive une étape. Des groupes environnementaux, là, mettez-en 5 ou 6 ensemble, là. Ils ne s'entendent pas tous nécessairement. Alors, le médiateur doit faire une médiation à l'intérieur des parties. Celle-là et celle des groupes, il faut qu'on arrive à trouver un terrain d'entente entre les groupes environnementaux, entre l'autre partie également, sur quoi on va être capable de trouver un trait commun. Alors, ça aussi, c'était la 5e étape. Et finalement, à la 6e étape, on commence à faire le drafting. Et la dernière étape, ça, je l'ai expérimenté dans ma vie. Je l'ai expérimenté dans ma vie, c'est hein, quand il dit le diable est dans le détail, c'est que tout va bien. On a fait le drafting. On a 80% de réglé, 90, 95. Et le matin du dernier de la signature, on a repensé à ça hier. Puis... voici ce qu'on veut. Mais on ne peut pas faire ça. C'est une demande substantielle qui aurait dû m'être donnée en prémédiation. On recommence tout à zéro. Et on recommence tout à zéro. Alors, dans ce temps-là, les médiateurs, qui sont des êtres qui ont un calme total, qui ne se fâchent jamais, qui ont la maîtrise de leurs émotions, qui ont la maîtrise de leur environnement,
hein, qui sont des gens qui sont capables d'être totalement au-dessus de la mêlée, prend 15 minutes pour aller se calmer à la salle de bain, revient et dit, « C'est ça que vous voulez? » Bien, vous allez les demander vous-même, vous allez choisir dans votre groupe qui va aller s'asseoir avec le président de l'entreprise, seul à seul, sans personne, et faire la demande. Vous allez vous responsabiliser face à votre demande. Je veux que vous choisissiez dans votre groupe la meilleure personne pour faire la demande, celle qui a le plus de chances de l'obtenir. Ils ont été magnifiques. Ils ont choisi la seule bonne, une femme évidemment, la seule bonne personne qui aurait pu le faire, qui après une heure de rencontre a réussi à obtenir substantiellement sa demande et nous avons pu signer le lendemain matin. Et ça, je disais aux gens, numéro 2 de l'OVNU qui est venu, je disais, vous ne me croirez pas, moi je ne l'avais pas lu votre guide là. Hein? Ça, c'est exactement vos 6 ou 7 étapes, je les ai suivies à la lettre. Alors vous, à l'international, parce que dedans on vous parle du Timor-Leste, on vous parle de l'Ouganda, on vous parle des ressources minières au Congo, de toutes les médiations qu'ils ont faites, j'ai opéré, moi, au Canada, dans un environnement protégé, avec le même guide. Ça, là, ça vous prouve que quand on est médiateur, là, 75 % des habiletés, on les a, peu importe le pays dans lequel on se déplace, on a cette connaissance ou cette conscience-là. Et voilà. Je veux vous dire aussi que, parce que j'ai la chance d'avoir les médiateurs ici, puis des professeurs de médiation, et donc les gens que j'admire le plus, enregistrez pas ça, là, ils vont me... Je veux dire à tous ceux et celles qui mènent l'action que vous menez, qui est une action juste, qui est souvent ingrate, et souvent on nous remercie pas et on nous reconnaît pas, moi, je voudrais vous dire merci. Vous avez-vous compris que notre véritable nature, c'est pas un idéal auquel on aspire. Notre véritable nature, c'est nous, c'est qui on est. La personne qu'on amène dans une salle de médiation, c'est qui on est, et c'est la personne avec laquelle chaque jour on doit entrer en amitié. Je le fais, moi, puis je suis sûre que vous le faites aussi. Un jour, un grand samouraï demande d'avoir un maître Zen Roshi. Et le samouraï dit au grand maître Zen Roshi, « Parlez-moi de la nature de l'enfer et du paradis. » Le Roshi le regarde droit dans les yeux, lui dit « Pourquoi devrais-je te parler à toi, un être misérable, un ver de terre comme toi? » Le visage du samouraï devient cramoisi, ses cheveux se dressent sur sa tête, il saisit son épée et s'apprête à trancher la tête du Roshi qui lui dit alors « C'est ça l'enfer. » Le samouraï, qui est un homme sensible, comprend donc qu'il venait créer son enfer rempli de haine, d'égo, du désir de se protéger, au point où il était prêt à tuer le Roshi. Alors des larmes surgissent de ses yeux, il se met à pleurer, il joint ses mains, le sage lui dit « C'est ça le paradis. » Il n'existe ni enfer ni paradis en dehors de notre manière d'entrer en rapport avec le monde. Et en cela, la bienveillance des autres et la bienveillance d'abord avec nous-mêmes est probablement la plus douce des manières de nous apprivoiser. Merci. Merci Louise Otis. Daniela Gadi. Buenas tardes a todos. Voy a hablar en castellano aprovechando del magnífico servicio de traducción que tenemos. Yo tenía preparado un discursillo de los que se usan para empezar, para agradecer a los organizadores, para la confianza, para el trabajo y todo, hasta que no abrí esta caja y se me fue el discurso. Entonces, quiero agradecer por haberme dado la palabra a los organizadores y sobre todo por la emoción que sentí cuando lo tuve en mi mano. Pues muchas gracias y muchas gracias a quien lo hizo y como hay que decir cómo uno se siente, pues me siento muy emocionada. Muchas gracias. Yo quería empezar... ¿Quieres pasar un minuto? Gracias. Quería empezar... diciendo que, recordando las aspiraciones de nuestros padres fundadores, nuestros, me refiero a los mediadores. Entonces, nuestros padres fundadores tenían básicamente 2 aspiraciones cuando empezaron a impulsar el uso de la mediación. Por un lado, algunos querían crear sociedades más justas, pacíficas, querían empoderar a las comunidades y a los barrios, querían construir una justicia que fuera una justicia de comunidad, una justicia popular, una justicia informal, y por el otro lado, otros pretendían instituir sistemas judiciales
que fueran más rápidos, eficientes y justos. Ahora, desgraciadamente, a casi 50 años de distancia, si es que tomamos los años 70 como fecha de nacimiento del movimiento para la mediación, ninguna de estas dos aspiraciones se ha realizado. La mediación todavía es un dispositivo de regulación de conflictos básicamente infrautilizado, escasamente exitoso y no todo lo apetecible que nos gustaría para el público en general. Lamento el cambio de tono. De todas formas, es el panorama del que nos hablan las estadísticas recientes y que es un panorama que nos resulta bastante evidente a simple vista si salimos del punto ciego en el que nos quedamos atrapados si observamos la mediación como mediadores. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo hemos llegado hasta esta situación? Una posible pista que podemos seguir es mirar al desarrollo histórico de la mediación y notar cómo ha habido un incremento constante durante los años en la formalización, en la institucionalización de la mediación. Observen que cuando hablo de institucionalización de la mediación, me refiero a una institucionalización de segundo nivel, porque en efecto la mediación misma, aún en su expresión más informal, ya de por sí es una práctica institucional, porque concretamente es el resultado de la institucionalización de una práctica, una forma de interacción espontánea, que es el diálogo como método para resolver los conflictos. Es una institucionalización en el sentido de que la mediación institucionaliza el diálogo dentro de intervenciones implantadas en determinadas comunidades por actores externos a las comunidades, pese a la posible preexistencia de otras formas de regulación, derecho incluido. La mediación, en otros términos, no se ha generado, no ha nacido por generación espontánea para satisfacer necesidades de estabilización de las comunidades, sino que es una intervención externa a los campos donde se ha instituido. Por lo tanto, ahora estamos en presencia de una institución de segundo nivel cuyos mecanismos aparecen especialmente evidentes en las formas en que la mediación está siendo reglamentada jurídicamente, o sea, en su juridificación. Es sobre este aspecto, sobre la juridificación, en que me gustaría concentrar mi atención hoy. Antes de empezar a ver cómo funciona el fenómeno de la juridificación, qué efectos produce y cuál sería una buena forma de gestionarlo, quisiera brevemente proponer una descripción, una definición de la mediación y de sus funciones desde una perspectiva socio-jurídica, para entender qué es lo que se juridifica y con qué, el cómo y con qué consecuencia. Entonces, desde un punto de vista sociojurídico, la mediación se puede definir como una forma peculiar de interacción. Es una forma peculiar de interacción que se pone en marcha porque existe un conflicto y es un conflicto que las partes quieren resolver. Esto es la forma básica de la mediación. Bajo determinadas condiciones que tienen que ver con su autodeterminación, las partes en la mediación se vinculan intersubjetivamente en un acuerdo que es expresión de un orden normativo emergente que sirve para regular su relación en el futuro. Desde este punto de vista, entonces, podemos considerar que la mediación es una fuente de producción normativa. Además, es una fuente de producción normativa autónoma porque no necesita el aval del derecho para desplegar sus efectos. Quiero decir que no necesita ni de formalidades jurídicas ni de la perspectiva de una sanción, cualquiera que sea, en caso de incumplimiento, porque la vinculación normativa que nace en la mediación es intrínseca al proceso de intercambio comunicacional entre las partes. En este sentido, podríamos decir que la mediación
que la producción normativa que es propia de la mediación constituye uno de esos órdenes menores que, como indican los estudiosos del pluralismo jurídico, concurren a regular las sociedades junto con el derecho, a veces pese al derecho y a veces incluso en contradicción con el derecho. La mediación representa un modelo de regulación especialmente interesante porque, a diferencia de otras formas de coordinación de las conductas, surge de la confrontación y del intercambio entre las partes. Por lo tanto, es una fuente de regulación negociada. Como decía Bonafé Schmidt, la mediación ofrece la posibilidad de construir un nuevo orden social a partir de acuerdos negociados. Este potencial lo que hace de la mediación una intervención realmente única, en cierto modo fascinante. Si no tuviera este potencial, sería un dispositivo de orden cualquiera. Ahora, este concepto es un concepto bastante extraño para nuestras tradiciones jurídicas y legales, que se basan todavía en un modelo centralista o monista, según el cual el derecho positivo es todavía la forma de regulación de la convivencia de los conflictos por excelencia. De ello, de esta tradición monista, deriva no solamente el descrédito de cualquier forma de ordenación extrajurídica, sino también una tendencia manifiesta a sobreregular áreas y prácticas que no lo necesitan o que lo necesitan hasta cierto punto. Y la mediación, naturalmente, es una de esas prácticas. En efecto, la mediación está siendo cada vez más atraída por el remolino de la juridificación. Remolino de la juridificación no es una expresión mía, es una expresión de Habermas, pero me parece muy, muy explicativa. Con el término juridificación se indica una hiperregulación de las diferentes áreas sociales a través de intervenciones legislativas. Se refiere, para decirlo así, a un incremento del derecho y de su capacidad de penetración en la vida cotidiana. En el caso de la mediación, podemos observar que el proceso de juridificación tiene tres fases. Una primera fase en que se juridifica, por adensamiento o por extensión, después veremos. Una fase en que la juridificación provoca que la mediación se convierte en un dispositivo que favorece la juridificación de lo social. Y en la tercera fase aparece la necesidad de intensificar aún más la reglamentación jurídica de la mediación. Vamos a ver las fases por separado. Decía, la fase de juridificación es una fase donde se incrementa la regulación jurídica o por adensamiento o por extensión. Un proceso de juridificación por adensamiento se encuentra en el caso de la mediación judicial. En este caso, se trata de la progresiva diferenciación del derecho procesal mediante la incorporación y la adaptación gradual de instrumentos propios de la mediación extrajudicial. La integración de la mediación en la práctica judiciales de muchos países, tanto en el ámbito civil como en el penal, ha determinado la necesidad de regular detalladamente aspectos diferentes, como por ejemplo las condiciones de acceso a la mediación, el estatuto del mediador, el proceso mismo de mediación, que está siendo regulado cada vez más en cuanto a tiempos, modalidades, formalidad de ritual, necesidad de la presencia de abogados en algunos ordenamientos, posibilidad de reconvenir, condiciones de validez de los acuerdos y de su accionabilidad, uso de las informaciones en juicios sucesivos, etc. En un contexto así, también la figura del mediador judicial se va diversificando, entonces no tenemos ya solamente mediador civil y penal, sino que tenemos mediador obviamente familiar, pero también hipotecario, concursal, etcétera, etcétera.
La incorporación de la mediación en el ámbito del derecho procesal se ha extendido tanto que ya no son infrecuentes los pleitos que tienen que ver con aspectos específicos de la mediación. Por ejemplo, la responsabilidad profesional del mediador, por ejemplo, la admisibilidad de material probatorio en juicios sucesivos, etcétera, etcétera. Otra manifestación de la juridificación en este campo es que, a medida que la mediación ha ido incorporándose en el sistema judicial, los profesionales del derecho han progresivamente colonizado la práctica, desplazando a otros profesionales. En algunas disposiciones legislativas, por ejemplo, la formación como jurista o incluso el título de abogado son requisitos necesarios para acceder a la profesión de mediador. La mediación extrajudicial, por otro lado, está afectada por un proceso de juridificación por extensión. Ello significa que los conflictos que antes se regulaban de manera informal a través de la mediación están sometidos ahora, aunque indirectamente, a un intenso proceso de regulación jurídica. La exigencia de reglamentar en este campo deriva de la subordinación de los centros de mediación extrajudicial a las agencias gubernamentales o a los tribunales. Cuanto más aumenta la dependencia, tanto más necesario se hace establecer reglas para articular la relación entre centros de mediaciones e instituciones. Este proceso de juridificación se manifiesta, por ejemplo, en la reglamentación de los criterios de colaboración, como ocurre, por ejemplo, cuando los casos son derivados a mediación por los tribunales o la policía, o en la puntillosa regulación de los requisitos para acceder a la contratación de servicios por parte de la Administración, como ocurre cuando los pliegos de condiciones para la licitación de servicios tercerizados disciplinan no solamente los objetivos, sino también las situaciones en las que hay que intervenir, las modalidades de acción del mediador, su formación o su obligatoria inscripción en algún registro profesional. En la fase 2, debido al hecho de que su progresiva reglamentación jurídica, la mediación misma se convierte luego en un dispositivo que a su vez favorece la juridificación de lo social. Ello es así porque mediante su uso se limitan los recursos de gestión y resolución de conflictos que espontáneamente se darían en un determinado campo social y consecuentemente aumenta el número de cuestiones que pueden acceder al campo judicial. Análogamente, se puede observar que producen una juridificación y una institucionalización de las esferas privadas todos aquellos casos en los que de una mediación derivan otras intervenciones institucionales, como por ejemplo cuando el mediador declara inviable la mediación y deriva el caso al Departamento de Servicios Sociales y a veces de Salud Mental. En definitiva, el uso de la mediación en esta fase permite la expansión de la red de control formal con detrimento de los mecanismos de control informal. En la fase 3 aparece la necesidad de intensificar aún más la juridificación de la mediación y se vuelve al mismo punto de antes. El proceso de juridificación desemboca la necesidad de intensificar la reglamentación jurídica, de especificar cada vez más los criterios jurídicos de uso de la mediación para adecuarlos al sistema general. Por ejemplo, en el caso antemencionado de derivación a los servicios sociales o de salud mental, es inevitable que aparezca la necesidad de establecer reglas de protección, por ejemplo, de datos personales o normas de garantías de los derechos individuales, que podrían obviamente ser violadas y esto daría pie a judicialización del conflicto. Ahora, ¿qué efectos la juridificación tiene sobre la mediación? Seguramente ya se han ido intuyendo algunas consecuencias. Primero, para recordar, como vimos, con la juridificación el derecho se aplica en áreas que ya tienen sus propios criterios de regulación y que en principio tienen igual o incluso mejor capacidad para organizar la conducta y las interacciones, incluso las conflictivas. Después,
El hecho de que el derecho obligue o exhorte a las personas para que acudan a la mediación fomenta la idea de que se necesita la intervención de un tercero que sea un experto en conflictos para tratar cuestiones que tradicionalmente se han tratado en los mundos de vida, siempre para usar una expresión de Habermas. Por ende, se debilitan las fuerzas presentes en la comunidad para gestionar los conflictos. Además, el impulso legislativo al uso de la mediación aumenta la intervención judicial en vez que reducirla. Por lo tanto, lo que podemos esperarnos es un aumento del contencioso, no una disminución. Cuarto, la fuerza de atracción institucional determina una metamorfosis progresiva de los propósitos declarados de la mediación en los objetivos de los sistemas judicial y político. Por ejemplo, uno de los objetivos más celebrados, que es el de devolver a las personas y a las comunidades el protagonismo en la resolución de sus propios conflictos, pierde terreno con la juridificación frente al objetivo de reducir el contencioso y de contener la conflictividad social. Con ello quiero decir que existe una tendencia evidente a usar la mediación como instrumento del sistema judicial o de las políticas sociales y de seguridad pública. Ello sucede toda vez, por ejemplo, que un mediador se ve obligado a adaptar su práctica en función de lo que le requieren sus clientes institucionales. Piensen, por ejemplo, en cuando la administración pública solicita la intervención del mediador para complementar o sustituir las actividades de prevención de las fuerzas del orden. La juridificación, además, limita el alcance de la mediación, porque obliga a restringir la atención a problemas determinados y trata el conflicto como un asunto cuya resolución está circunscrita a los aspectos definidos jurídicamente, en detrimento de toda cuestión que, pese a no tener relevancia jurídica inmediata, sería objeto de discusión e intercambio entre las partes. Aún más, dificulta el intercambio comunicativo entre las partes porque impone a la mediación una estructura determinada que administra ritmos y temas y que, en definitiva, estimula una gestión estratégica del proceso de mediación. En este sentido, existe, por ejemplo, el peligro de que las comunicaciones entre las partes se enrosquen recursivamente alrededor de asuntos que son ajenos al conflicto y que son introducidos por el mediador. Estoy pensando en la necesidad de reparar en la mediación penal, por ejemplo. Reduce la juridificación, además, reduce la autodeterminación de las partes, tanto limitando sus posibilidades de comunicación como restringiendo el número y el tipo de soluciones que puedan querer adoptar. Si por un lado eso es comprensible, por el otro lado, impide que surjan resultados innovadores y que responden mejor a las exigencias de las personas implicadas. Por último, fomenta la juridificación de la mediación, fomenta en las partes mismas una imagen desprestigiada de la mediación, que es percibida y vivida frecuentemente como una mera y momentánea renuncia a ejercer la acción judicial. Tanto es así que la amenaza de recurrir a la instancia judicial se usa con frecuencia para influenciar el proceso de mediación y o para forzar un acuerdo en beneficio propio. En semejantes condiciones, la mediación no se puede definir como una interacción dirigida a terminar el conflicto mediante una construcción dialogada, intersubjetiva, de acuerdos que tiene una fuerza de vinculación normativa específica. Se convierte en una intervención que funciona según criterios completamente diferentes y pierde todo su potencial de regulador de lo social que mencionamos antes. Ahora, ¿qué remedios? Frente a esta situación tenemos tres alternativas: seguir purificando, intentar una juridificación o dar una nueva forma a la juridificación. A ver, si seguimos juridificando, vamos a limitar el potencial de la mediación
incrementamos el contencioso, incrementamos la juridificación de las esferas privadas, aumentamos la complejidad del derecho con el riesgo de que éste pierda toda su coherencia interna. La segunda alternativa está destinada al fracaso. No podemos dejuridificar la mediación. Primero, porque existe una tendencia general hacia la continua expansión de la producción legislativa. Por lo tanto, es ilusorio pensar a una marcha atrás. Pero más allá de esto, una mediación completamente dejuridificada tendría escasa o nula relevancia y muy probablemente acabaría desvaneciéndose o subsistiendo como una práctica profesional cualquiera. Ello es así porque la mediación es una práctica de limitado alcance y además está circunscrita a interacciones privadas y asuntos concretos. El que sirva para coordinar de forma satisfactoria las expectativas de dos partes concretas no la convierte de por sí en una fuente idónea suficiente de gestión de la complejidad social. Las configuraciones normativas de la mediación no son generalizables. Por lo tanto, no son de utilidad para regular el funcionamiento en sociedades complejas. Así las cosas, para asegurar estabilidad y generalidad y, en definitiva, para fomentar el potencial de la mediación como instrumento de regulación social, parece que se torna necesaria alguna forma de juridificación o de institucionalización. Pero, ¿qué tipo de regulación jurídica? Una regulación jurídica, tenemos que imaginar una regulación jurídica y no tenemos otra opción, una reglamentación jurídica que libere en vez que encorsetar la normatividad propia de la mediación, que al mismo tiempo le garantice estabilidad y generalidad. Una reglamentación capaz de dar entrada a los procesos autorreguladores de los diferentes campos sociales. Me estoy refiriendo a una reglamentación jurídica que Toibner define derecho reflexivo. La propuesta que avanzo, por tanto, es construyamos un derecho más abstracto que promueva la racionalidad normativa de la mediación y su capacidad y efectividad en cuanto a organización de la convivencia. Un derecho así puede constituir un marco general de referencia para todos los procesos de autorregulación cuyos resultados serían armonizables entre sí por su supeditación a las reglas procedimentales. Algunas líneas de realización concreta las dejamos para la discusión, pero por ejemplo, el legislador debería instituir e impulsar la mediación como práctica de resolución de conflicto, pero excluyendo su obligatoriedad. Debería establecerla como una intervención extrajudicial. Debería evitar todas las prescripciones que conciernen la forma y eficacia de los acuerdos y debería prevenirse el riesgo de que la mediación se use como instrumento de un derecho intervencionista, evitando, por ejemplo, todas aquellas disposiciones cuyo objeto final es el control directo del conflicto o la modificación de las conductas hacia patrones de conformidad social. Para concluir, nuestra última oportunidad, yo creo, para que la mediación realmente se afirme como un mecanismo de una regulación social basada en el consenso y en la autodeterminación de las partes directamente implicadas y para que el contencioso se transforme de verdad en la última y más remota instancia de resolución de las controversias, es legislemos, pero no mucho, y legislemos diferente. Muchas gracias. Merci Daniela. Ivo Ertzen. Good afternoon. First, I would like also to thank the organizers, Milène and the colleagues of the World Mediation Forum, for their kind invitation to have me here, so very much appreciated. And I see it also as a challenge to exchange ideas and experiences and knowledge and research as well in the different fields of mediation. Now, my topic is
institutionalization of mediation. And you will, I think, notice that this, what I try to explore in the following minutes, is very close to what the previous speaker, Daniela, I think, has tried to do. And so I hope I can present it in a complementary way and that it also functions in that sense. So my starting point is criminal justice, because as a criminologist, I have been more active in that field of criminal law, criminal justice, than in civil law, I must say. But at the same time, I've always been interested and interacted with other fields of mediation. So, and as you might know, in this field of criminal law, one general approach that is orienting all these kinds of practices is put under the umbrella term of restorative justice. So we will not explain now what restorative justice is. I suppose that most of you are familiar with that. Now, when you look at mediation, and when you look at the international developments in the field, in the criminal field, if I may, for a moment, then you see that there is after a slow development in the 70s and the 80s, internationally speaking, that there was a very strong growth of programs worldwide in the 90s, and the role of international and regional institutions and regulation has been important in that sense as well. Worldwide, we had a resolution of the United Nations in 2002, but when I look at the European context, then we cannot ignore that the Council of Europe policies have been very important in that respect, with an important recommendation of 99 on mediation in penal matters, as they have also issued recommendations on family mediation, as you know, and in other fields. But then, certainly from 2001, we had the policies from the European Union in the field of victim policies. And within these victim policies, you have put mediation and restorative justice now more and more to the fore. And the last legal instrument, not just soft law, but hard law, is a directive of the Council and the European Parliament of the European Union, as you know, of 2012, where restorative justice is also defined, and where it is also said that mediation, together with conferencing and peacemaking circles, are important models for restorative justice. So, I've already mentioned that there was a strong implementation overall in Europe, but I think it is still important to do good research about what is really going on in the fields and in practice. And our colleagues from Greifswald University, Frieder Dunkel and others, have done very impressive large research on behalf of the European Commission a couple of years ago. And they have published also two volumes about the state of affairs of restorative justice and mediation in penal context in 36 European countries. So that is a very complete overview, I think, of what is going on in these countries. And they have described legislation, but also the implementation, the practices, figures, and so on. And then it was confirmed indeed that for Europe, at least, mediation is the most dominant model. It's provided in 35 of the 36 countries that were involved in the study. Conferencing, family group conferencing, community conferencing, you know the models, is only applied in 13 countries, and peacemaking circles, where you are here in Canada, much more familiar with the talking sticks and so on, peacemaking circles is almost not done in Europe. We had only a few experimental projects in a couple of countries. Important to mention is that we have law legislation in almost all European Union member states. So that is quite an important finding, I think. There is formal legislation in almost all European Union member states about mediation in criminal cases. So mediation, one could say, is politically certainly accepted, endorsed at the national level, at the European institutional level. It is politically endorsed and legally institutionalized in many countries. It is in various countries, not in all countries, it is well funded. Yeah, and it is well organized. There are good organizations,
national umbrella organizations in quite a number of European countries in the field of victim-offender mediation or penal mediation. Sometimes it is done by state agencies, but very often by non-governmental organizations. There's a lot of research. Practice in Europe is very well documented in this field. So, and we may be happy with that fact, I think. So there are a lot of comparative and overview studies in Europe about mediation in penal matters. But there is a small impact in terms of numbers. In a quantitative way, we must admit that compared to what is legally possible in all these European Union member states and other European countries, that in a quantitative way, the potential is much bigger than the number of cases that are being done on an annual basis in all these places. And secondly, when you look at the type of cases that are being dealt with, and that is not a surprise for you, of course, is that it is mainly about minor offenses, and that they take the form of a diversion vis-à-vis the criminal justice process. But there are important exceptions as well. There's a good number of European countries, including my country, Belgium, where mediation, according to the law, can be done for all kinds of crime, for the most serious crimes as well, and also at all the phases of the criminal justice process. So there is an important implementation gap, one could say, in a certain way, how to understand the underuse of mediation. And it is an important challenge, certainly for the criminal justice context, but I can imagine also for other fields of mediation. Do we need a stronger institutionalization? Do we need more of the same? More legislation? More binding law? I don't know. That is at least what the European Union has done. We had first a framework decision, a legal instrument in 2001, where mediation was part of it in criminal cases. It was not well implemented in European countries, this framework decision, and therefore they have taken the opinion, adopted the opinion, that more and stronger legislation is needed in order to enforce victims' rights and also mediation and restorative justice in European countries. That is one strategy, issuing more binding law. Do we need more funding? Do we need stronger professionalization? Do we need better organizations? It is very doubtful whether we will solve these problems just with this kind of strategies. If we try to do that, at least this higher professionalization, more institutionalization, what to think then about the informal character of mediation practices? We all know that mediation is a flexible practice, that it should be tailored individually. We all know that also the community plays an important role. Mediation in most cases, and I come back to that immediately, in most cases mediation cannot be reduced to an interpersonal conflict. Even in so-called civil disputes, I think the influence, the impact of the environment, of the community, society, even the state, can be very important. And then finally, referring to our famous colleague Nils Christie from Oslo, we must ask the question, we as mediators, aren't we becoming the new thieves, maybe, of the conflict? Because of the high degree of professionalization, I mean. So what to think about this problem of institutionalization? And institutionalization was already explained at different levels a couple of minutes ago, but I would like to use a kind of other, more sociological approach to the problem of institutionalization. And if you have a look at this kind of sociological studies from the 60s, the 70s, the 80s, you see these big ideas and conceptions, theoretical notions of what is institutionalization. When can we say that a practice becomes institutionalized? And when can we say that a particular behavioral pattern becomes current and a usable practice in society? And when takes it a form of an entity which has also a certain historical permanent character and so on. From that moment on, according to Berger and Lukman, we can talk about institutionalization. It is rephrased in another way. It is informal practices that at a certain moment become so usual and so habitual in our environments,
that we can call it at a certain moment an institution. So we have the institution of the family, of the church, of companies, of education systems, and so on. All different types of institutions. But such an institution, although if it sometimes can grow in a very informal way, is also exercising control. It is a form of primary social control, often in an informal way. A second opinion, second concept of institutionalization came a little bit later, in the 80s, and institutionalization of the private life, as it's been called by some sociologists. And reference was made, for example, to neighborhood or community mediation, where one had to admit that on the one hand, it was an individualizing approach, a very strongly individualizing approach, dealing with conflict between neighbors, I mean, yeah. But and also a very depoliticizing approach. This kind of criticisms came in the context of Foucauldian analysis of society, new governance, and so on. On the other hand, this kind of researches, as applied to mediation, also observed that there is a strong liberating and transformative potential, including resulting in social action sometimes. So we really are here in a kind of field of tension between a very controlling mechanism, a very sophisticated controlling mechanism on individual lives that mediation can offer, or a very emancipatory approach. And then a type or an understanding of institutionalization we are more familiar with, I think, is the third one that I would like to present. That is the incorporation of a new practice, for example, mediation, the incorporation of a new practice in existing social structures, be it private structures or public agencies. And then, according to Sally Mary, it is all not so very recent literature, but still very valid, I think, according to her, institutionalization takes place when things are incorporated, for example, in a school context. Mediation can become part of an educational system or a criminal justice system, or in corporations, for example. These are all existing structures, different types of organizations, and mediation at a certain moment becomes incorporated in these structures. And institutionalization takes place when at least there are three forms of control from this existing organization towards this new practice. When the existing organization, for example, the justice system, the criminal justice system, yeah, is controlling the funding of the new program, the mediation program, I mean, and also controlling the referrals, selection and referrals of cases to the mediators, and also controlling the staff, employing people, prescribing what type of people can become mediators, and so on. If these three conditions are fulfilled in terms of control by an existing organization, then, according to Mary, we can talk about institutionalization. This is a rather negative understanding. There is a negative connotation to this type of mediation, of course. But still, it is important to recognize it and to observe, I think, how it works in practice. So we see it very clearly in the criminal justice context, where the influence of the institution, the existing institution, is very strong. It does not need much explanation to say, I think, that when you organize mediation within a police department and you ask police officers to do the mediation, it will influence, of course, very much the style of mediation, the model of mediation, the attitudes of the mediators. You will have probably much more a directive mediation style than when people from an NGO or social workers or psychologists that are doing. Okay, next slide, please. Yeah. So what we also see that there is a type of instrumentalization of mediation, which is part, I think, of institutionalization. And this has been very much criticized in the literature as well. The whole literature on mediation, the critical
from critical theory, critical political theory, literature on mediation and on restorative justice has come with very critical analysis in that respect, I think. So we are elaborating, we are implementing a type of mediation in many countries where participation is no longer participation by the conflict parties, I mean, participation by the citizens, where participation is not longer seen as a social value on its own, but much more a condition to get, for example, a diversion from the criminal justice process, or a condition in order to receive social services or funding in the framework of social security provisions, for example. So you must participate as a citizen if you wish to receive some services from the state. And mediation lends itself very well in this kind of state strategy as well. That is the idea behind this first point. And therefore, some will argue that mediation, if you use it in that way, that mediation is no longer a communicative and cultural phenomenon, but that it is an instrument, a tool to reach other goals. That it is no longer contributing to a de-reification of dominant meanings that are given in society by a justice system or by a social class, for example, and that it becomes much more part of a satisfactory story, as it is called in the literature, instead of a social justice story. So the focus in mediation practices, together with this kind of instrumentalization, is much more on, are people satisfied with the result, with the agreement, with the intervention of the mediator? There the focus is on, and you see that also in research, in evaluative research, and the focus is not so much on the social function of mediation, and certainly not on the goal of social justice. So how to cope with this kind of institutionalization? That is a big challenge indeed. If you want to search answers for that, we have first to think for ourselves, okay, what is important for us? What are our assumptions? What are our values and objectives as well? In the light of what do we need to answer such a question as how to cope with institutionalization and with instrumentalization and this kind of risks in our late modern societies? And of course, we have to ask ourselves, maybe we have to think about it in terms of the individual needs of the parties, yeah, where it is important to reach really the life world of people and where we have to offer a situation that is free of domination, to refer to Habermas another moment now. So, but also the society, the community has maybe its own interests in mediation, and maybe the question on how to institutionalize mediation must also be asked from the perspective of the community and society interests. So again, and I really think that is true even in civil mediation, in civil disputes, we cannot make abstraction, I think, of the interests of the society or our communities. At the same time, to make it even more complicated, we are at this moment in confronted with very ambivalent societal influences, where we have no longer this welfare state or participatory state, but much more a security state, where all kinds of social problems, individual personal problems, are redefined within a securitization discourse and logic. So what we are confronted now with is a new regulatory state, where this state is in need of all kinds of soft, sophisticated regulatory mechanisms again. And that becomes now much more in function of securitization of our social problems. We need safety, we need security, and that becomes the big mantra in our societies. And again, we will conceive mediation, or policy makers, program leaders, and so on, will develop and conceive, conceptualize mediation much more now in function of these securitization policies. Okay, next slide. That time is limited, I've understood. Okay, now we have also to think about what kind of mediators do we want in all this kind of social fields. And I was very much, I became very much interested by publication by Olson and Zur a couple of years ago,
where they try to come with a new content, a new understanding of the role of mediators or people working in restorative justice in general, and they call it a kind of democratic professionalism. What their, I cannot explain everything on the slide, but what their point is the following: a mediator is not only working on behalf or with a mandate of the two conflict parties, for example, but a mediator has also a kind of social responsibility. That is more or less the core idea of what they argue and what they try to explain. So it is all about making people for whom you offer mediation, victims, offenders, or other people, making people able and capable to play a role also at a more society level. It is about norm clarification, even when it, at the first view, is only an interpersonal, very private conflict. Very often there are values and norms that transcend, of course, the interpersonal level. And a good mediator should also give room to this societal or community dimension of norm clarification and even co-creation of norms. So the role of autonomy and an autonomous position, as we have heard from the previous speaker as well, is very important. But what is that? How to fill in this autonomous position in mediation services when we organize these programs? And I don't believe that mediation is just an informal practice. What I have learned is that mediation is much more a sign of an interaction that is going on between formal practices in justice and informal practices. So the law functions as a mirror, even when we think that we are not working with the law in a very extrajudicial way, for example, we will in our mediation practices always be influenced, or we anticipate on what the judge would do in such cases, for example. So there's always an interaction between the formal elements of justice and the informal elements of justice through law. To conclude, I see mediation much more as also a kind of process at the institutional level, where we have to mediate between the logics and the rationals of different fields and institutions in society. I was not able to explain that in detail. It was more was on slides, but this mediation at the interinstitutional level, mediating between different logics in society, is, I think, also important. I think we have to create, in order to reach this position of autonomy, which is so important, not to have this kind of colonization, not becoming part of an existing logic of the justice system, or the educational system, or the political system, or the economic system. How to organize our programs, how to conceive our models and practices, how to make policy and legislation in order to safeguard, let's say, this autonomy. That is a big challenge, I think, in many of our countries. And therefore, I argue very much for the creation of what, again, in the sociology of law, was called semi-autonomous social fields or semi-autonomous social spaces. And there are important conditions that we could discuss. We will not do that at the process level and at the organization level in order to create, to have such semi-autonomous social spaces. Where it is also important, I think, to address the community. Mediation is a societal, not only a personal and an interpersonal, I repeat myself, but also a societal opportunity. And it should contribute to a more democratic, a more real, a more authentic, a more in-depth system of justice. I think mediation, also in the private sphere, is all about justice, be it maybe informal justice. But informal justice, which is interfering all the time with formalized mechanisms of justice in our societies. And the role of the state is then still important. The role of the state is not a controlling, diminishing, reducing role, not an
not a colonizing role, but much more a role of facilitation at the legal institutional level, but also by offering, by offering equal access to all citizens, I think, equal access to provide a right, a formal right for equal access, so that mediation services are not functioning anymore in such a selective way as doing now. We only reach some groups in society, that's clear enough. So that is a function of the law, to provide access in the league in an equal way to everyone. And finally also, the law can play a role in terms of legal protection, providing legal safeguards, which are sometimes important, also in informal practices as mediation is. Thank you very much.